tout le monde, c'est New Black Vister et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Little Big Planet. Alors Little Big Planet, c'est un jeu que j'ai joué en étant plus petit et j'ai passé de nombreuses heures sur ce jeu. C'est un peu, pour vous donner une idée, le Fortnite de mon enfance. Voilà, c'est vraiment le Fortnite de mon enfance. C'est un jeu où je m'amusais beaucoup, où je me rappelle à l'époque. J'essayais d'avoir toutes les tenues rares et tout ça. Enfin, c'était vraiment un délire. Donc j'ai joué à tous les Little Big Planet. Little Big Planet 1, 2, PS Vita et Little Big Planet 3. Ah non, j'ai pas joué à Little Big Planet Karting. Pourquoi? Bah, parce que moi j'aime bien le Little Big Planet de base. Voilà, tout simplement. Après oui, normalement, il y a un autre Little Big Planet qui est sorti sur PSP et j'y ai pas joué aussi parce que j'ai pas eu la PSP. Mais j'ai pu y jouer sur PS Vita parce que j'ai eu la PS Vita. Bref. Donc, on va faire un petit niveau en rapport avec Halloween. Donc, je sais pas comment j'appellerai cette vidéo. Si c'est une vidéo, on va dire spéciale Halloween. Ou alors, je ferai une autre vidéo à côté pour que ce soit la vidéo spéciale Halloween. Mais celle-ci, ça sera une vidéo en rapport avec Halloween. Voilà. Donc on va faire ce niveau-là. Comme ceci. Jouer seul. Allez, let's go. Alors j'espère que ça va pas être un niveau trop compliqué parce que je viens seulement de me remettre à jouer au jeu. À vrai dire, là, je viens de me réveiller à 4h du matin et je savais pas quoi faire. Ah, ça a l'air bien déjà pour commencer. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai. Attendez, je vais vous montrer. J'ai le t-shirt de la semaine de lancement de Little Big Planet 3. Donc, ça, globalement, hein, parce qu'il y en a plusieurs, c'est un des. Bah, c'est l'item le plus rare de Little Big Planet 3. Et je parle pas de tous les Little Big Planet. Hein. Le cosmétique le plus rare, je pense que c'est le t-shirt de lancement de Little Big Planet 1, qui était disponible que au Royaume-Uni. Et qui n'y a pas. Bah, il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui existe. Ça se trouve, le mec, il a acheté. Son compte, il est abandonné. Bref. Et donc du coup, vous allez rire, mais seulement pour cet item, hein, seulement pour cet item, j'ai essayé de le récupérer pendant des années et des années. Mais genre vraiment. Donc j'ai appelé Sony et tout ça, et je me souvenais plus vraiment de l'email. Et donc à la fin, je suis tombé sur quelqu'un qui était vraiment sympa. Et j'ai pu récupérer mon. Ah, c'est comme ça que je peux le récupérer le. Non, même pas. Comment je fais? Ah, peut-être avec les fantômes, non? Non. Donc oui, ça a vraiment été une galère. Et je l'ai récupéré seulement en début 2019. Ça faisait depuis 2017 ou 2016 que j'essayais de le récupérer ce compte-là. Et j'avais plus d'infos. Et donc, vous allez rire. À chaque fois, moi, je mettais une adresse mail. Sauf que c'était pas la bonne. Et donc, à la place de Gmail, à l'époque, moi je mettais Hotmail. Et c'est pour ça, depuis tout ce temps, j'arrivais pas à récupérer mon compte parce que je mettais Gmail à la place d'Hotmail. Donc, c'était la bonne email, le bon format et tout ça. Sauf que c'était Hotmail. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon. Ah. Je pense que c'est ici que je vais pouvoir. Et ben voilà!
un petit cosmétique en rapport avec Halloween. Ça fait plaisir. Donc oui, je pense que c'est vraiment sur Little Big Planet à l'époque où j'ai commencé vraiment à dépenser sur les jeux. Ça date pas de Fortnite, hein. Disons que Fortnite a... J'étais un peu guéri et Fortnite m'a un peu... m'a un peu fait retomber là-dedans. On dirait qu'on parle de drogue. Non, en vrai, pour le coup, quand j'achète quelque chose sur un jeu, c'est purement... Bah, purement pour mourir comme un caca. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. C'est purement pour me faire plaisir, en fait. Il n'y a pas de secret. Attention. Ok. Bon, bah, c'est vraiment sympa. Il y en a, ils font encore des bons niveaux sur les Toby Planet. Je suis assez épaté. Alors, normalement, le jeu est considéré comme mort. Ça dépend ce qu'on définit comme jeu mort, mais... regardez ça. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur Little Big Planet. Je vous en ferai avec plaisir. Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Alors, du côté français, hein, je parle, du côté anglophone, il y en a beaucoup plus. Mais du côté francophone, pas beaucoup, hein. J'aime bien la musique. Donc oui, j'ai passé des années à récupérer mon compte seulement pour ce truc là. C'est un gros délire. Et je suis très content de l'avoir. Pour vous donner une idée de la rareté de cet objet sur Little Big Planet 3, c'est comme si c'était... Sauf que c'est encore plus rare que l'écumeuse, parce que à l'époque de l'écumeuse, il y avait 1 million de joueurs sur Fortnite. Là, il n'y a pas eu 1 million de joueurs sur Little Big Planet. Peut-être genre quelques milliers, donc c'est encore plus rare. C'est un gros délire. Mesdames et messieurs, par contre, je sais pas où passer, vous voyez. Ah bah oui. Forcément, le niveau, il est en 3D, donc... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, il faut que je fasse ça avant. Attendez. Là? Ah, voilà. Faut pas chercher compliqué, hein. Oui, mais normalement il me faut un objet pour ça. Donc je suppose que il faut que j'aille en haut. Ça va, même si ça fait longtemps que j'ai pas joué, je me rappelle des bases. Faut pas les connaître non plus. Aha. J'arrive pas à passer. C'est quoi, c'est un item là-dedans? Non, diable pas. Eh, mais c'est la... C'est la fille dans l'étrange... L'étrange Noël de Monsieur Jack. Attendez, oui. Oui, non. Alors je me trompe avec autre chose. Comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, j'ai reconnu. Ça c'est une échelle, je peux pas grimper.
Happy Halloween! Eh ben merci. J'aime bien les niveaux comme ça où on obtient plein d'objets. Ça c'est quoi? C'est la chaise électrique? Ouais, c'était mignon jusqu'ici, mais là c'est un peu plus glauque quand même. Ah, attendez. Hop là. Halloween avec un sapin. C'est concept, hein. Vous les araignées. Vous mes amis. Non, je rigole, vous n'êtes pas mes amis. Ne serait probablement jamais. Après, le fait que qu'on ait peur des araignées, c'est une phobie. C'est pas vraiment de la peur en soi, mais disons que il n'y a pas vraiment de logique qu'on en ait peur. Faut voir une phobie comme une allergie. Par exemple, quand on est allergique au pollen, ça n'a pas de logique. Vous voyez ce que je veux dire? Bah c'est pareil en fait. On en a peur, mais moi, en tant qu'arachnophobe, je peux vous dire que on en a peur. On peut essayer de contrôler cette peur, donc c'est difficile, mais c'est une peur pas comment dire, mentale ou quoi. C'est une peur génétique, si on pourrait dire ça comme ça. J'espère que j'ai rien raté. Ah bah non. J'ai rien raté. Et bah honnêtement, je mets un petit cœur et je vais donner mon avis. This absolutely to Halloween. C'est une invitation. Cool. My favorite movie. Best level. Nice platformer. This level should have been MMPK. Donc lui il dit que ce niveau mérite un MM pick. Donc c'est un, comment dire, donc je sais plus si ça s'appelle un MM pick, mais c'est en fait un petit comment dire, un petit bandeau qu'on met autour de votre niveau pour dire que ce niveau là les développeurs eux-mêmes le valident. Voilà, donc c'est vraiment vraiment quelque chose quoi. Alors je vais vous montrer. Voilà, ça par exemple c'est un niveau MM. Et tout ça c'est des niveaux MM pick. Et pour avoir ça sur son niveau, il faut vraiment que son niveau, enfin il faut vraiment que notre niveau soit vraiment très très bon. Donc c'est pas un niveau qu'on va faire en une journée quoi, hein. C'est quelque chose qui va nous prendre même plusieurs jours. Bon. Halloween Mansion. Donc par exemple, on va en faire un. On va faire un autre niveau. Parce que là, j'ai pas encore tout dit. J'ai envie de continuer un peu cette vidéo. Parce que là, je m'amuse bien. Donc voilà. Alors par contre, je sais pas comment je vais faire pour faire la miniature de cette vidéo. Bon, je le ferai avec mon PC portable, même si ça risque de bugger. Oh là là, les niveaux d'Halloween
Et les niveaux de Noël, c'est ce que je préfère. Ah. Là, il y a un peu plus de plateforme quand même. Yes. Encore plus d'objets à collecter. Là, il faut descendre, non? Ah oui. Je pensais que j'allais mourir. Mais... Il va où le niveau? Ah d'accord. D'accord, donc c'est un niveau plutôt... Par contre, la musique... Attendez. Oh. Va falloir que je m'achète un nouveau micro. Parce que des fois j'entends que dans une oreille. Et c'est ultra chiant. Non. Non. Ah bah. Ah des fois il faut quand même réfléchir. Hein. Il y a des niveaux vraiment stratégiques dans... Big Planet. On va voir s'il y a au fond de l'eau. On va voir s'il n'y a pas un truc là-dedans. On sait jamais, hein. Hop là. Happy Halloween. Happy. Ok. Ah. Non, encore une fois, c'est assez sympa. Hein. Ça tue ça? Ah ah! Je crois que si on tombe là et on se fait écraser, je pense que ça peut nous tuer. Pas vraiment très dangereux. Attention! Ok. Attention! Ok. Là, je suis mort inutilement. Hello. Je savais pas que les fantômes avaient besoin de manger. Ils sont dépourvus de tubes digestifs, je pense. Digestif, pardon. Non, parce que digestif, c'est pas très français. Comment je fais pour récupérer ça? Ah bah oui. Donnez-moi ce gâteau. C'est la clé. Mais donnez-moi ce gâteau. J'ai raison. Ah oui, c'était ça. Ah oui, des fois, il faut vraiment réfléchir. Oula. Oui, mais là, je savais pas où était mon personnage, donc... Non,
normal que je sois mort. Donc là. Ok. Là, je suis pas sur la même ligne. Je vais aller où? Je vais aller où? À part là. Ok. Donc ouais, au tout début, quand j'ai découvert Little Big Planet 3, c'était vraiment différent. À la base, là, vous pouvez voir, il y a une dizaine de plans. Plan 1, on va dire, plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, plan 6. Bon, il y en a plus que 10, je ne sais plus combien il y en a exactement. Mais dans Little Big Planet 1 et 2, il n'y en avait que 3. Donc déjà, on pouvait faire des niveaux assez dingues avec 3 plans. Mais avec une vingtaine de plans, on peut faire des trucs comme ça. Et c'est juste méga stylé. Alors là, il faut pas que je tombe. Parce que si je tombe, je vais m'en mordre les doigts. Il y a un truc en bas. Ah, à part des points. Là, par exemple, je n'ai pas ça. Ah oui. Ça, il faut un pack. Un pack pour l'avoir. Je ne pourrais plus vous dire dans quel pack. C'est dedans. Mais c'est dans un pack. Tout ce que je peux vous dire. Ah. Oh, seulement ça. Un endroit caché seulement pour les bulles. La ranale. Oui, c'est bien l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oulololo. Attention au pic. Attention au pic. Alors ça, les... Comment on peut appeler ça? Les trucs qui tournent. Oh, les ronds qui tournent comme ça. Ça, c'est la base dans les Little Big Planet. Ça, ça va, je sais encore le faire. Parce que... Je vais vous dire un truc, mais il n'y a que les joueurs de Little Big Planet 1 qui pourront comprendre. Bunker. Le niveau du bunker. C'est... Vous voyez quand on commence à rager quand on est petit. Et ben, le niveau du bunker dans Little Big Planet 1, c'est celui qui commence à révéler notre rage en nous. C'est le niveau où, à quoi qu'on fasse, on va recommencer plusieurs fois. Et donc, c'est juste horrible. Et oui. Alors je pense qu'on peut le trouver sur Little Big Planet 3. Je pourrais peut-être vous le montrer. Mais il est horrible au niveau du bunker. Bon bah j'ai encore tout récupéré. Alors awesome. Accent Lovell. Ah, jugez pas mon accent anglais. Chercher les étiquettes. Versus dans...
Coin des copains. C'est quoi ça? Galerie des tenues, non. Technologie. À collecter. Oui, il y a des trucs à collecter. Oui, il y a de l'eau. Qu'est-ce que je pourrais mettre? De la stratégie. Ah, il y a bien un truc en haut. Bon, bah, je vais mettre. Je sais pas quoi mettre en fait. Bon, bah, c'est tout ce que je vais mettre, hein. Voilà. Cadeau. New Black Sister dit Awesome Level. Ok. Bon. Eh bah, je pense que. Que c'est tout. Platformer. Oh, j'ai envie de faire encore un autre niveau. Un niveau de Little Big Planet 2, tiens. En plus, il a beaucoup de cœur. Allez! Mais c'est le dernier niveau, hein. Jamais 203. Au moins, comme ça, je vais pouvoir vous montrer la différence entre un level de Little Big Planet 2 et de Little Big Planet 3. Donc voilà, donc déjà là, c'est sur trois plans. Après, c'est sûr que c'est pas la même chose. Donc là, ça risque d'être un peu plus dur vu que c'est un niveau de plateforme. On va quand même essayer de le réussir. Donc voilà, déjà sur Little Big Planet 2, on pouvait faire des trucs assez sympas. Après, sur Little Big Planet 1, ça restait assez restreint par rapport à Little Big Planet 2, je parle, parce que Little Big Planet 2 a inclus plein de trucs, plein de comment dire, bah, inclus plein de façons de faire des niveaux avec des gadgets et tout ça. C'est très complexe à expliquer, mais disons que les niveaux sur Little Big Planet 1 étaient assez basiques. On pouvait déjà faire beaucoup de choses. Aïe. Mais du coup, comment je fais là? Ah d'accord, je comprenais pas. Mais du coup, c'est vrai que sur Little Big Planet 3 là, ça a vraiment tout plongé. Bon, en fin de compte, je sais pas si j'aurais dû faire ce niveau. Me prendre beaucoup de temps aussi. Hop. Ok, ça s'est ouvert. Maintenant, on retourne en arrière. Oui, disons que à partir de Little Big Planet 2, il y a eu beaucoup de mécaniques qui ont été rajoutées. Genre vraiment beaucoup. Ok.
vais quand même récupérer les bulles. Ok. Donc ouais, là, déjà, c'est un peu plus différent. C'est sûr. Ah, mais non. Ça, par contre, c'est méchant, quoi. Ah, d'accord. Ah, je peux pas. Ah, d'accord. Il faut tout faire. Ouh. Ok, c'est bon. C'est passé. Attention. Bon, ça va. Le timing n'est pas encore serré, quoi. Ok. Bon, bah ça va. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Il faut que j'active un truc. D'accord. Faut peut-être que j'enlève ça, non? Oui, voilà. Donc oui, là, effectivement, je suis un peu perdu parce que... Ça, par exemple, le truc que vous voyez là, ça a été rajouté dans Little Big Planet 2. Et donc, autant je me souviens comment utiliser les gadgets de Little Big Planet 3, autant Little Big Planet 2, ça fait longtemps. Ok. Du coup, maintenant, je dois aller ici. On active ça. On revient ici. On saute. Et voilà. Bonus. Apparemment, il y avait des bonus. Bon. Donc voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Bon, honnêtement... Apparemment, le mec, sa spécialité, c'est de faire des niveaux d'Halloween. Donc, c'est vraiment des bons niveaux qu'il fait. Hein. Donc, d'accord, c'est le même qui a fait ce niveau-là. Ah, il date de 2015. Ah oui, date de 2015. Je pensais qu'il était récent, moi. Bon bah pour un niveau qui date de 2015, il tient la route. Hein. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.